On est à Limoges au dojo pour les championnats de France de Sanda et de Taolu, sélectif pour les championnats d'Europe. Les athlètes vont jouer leur, non seulement les tickets pour les championnats d'Europe, mais aussi leur liste de haut niveau pour l'année 2012. On va aller faire un petit tour dans le gymnase pour voir un petit peu les installations, les salles d'échauffement, bien sûr le lieu de compétition et pour la première fois le lieu de contrôle dopage. On est en train de faire les choses pour un début, pour le haut niveau français, on est en train de faire les choses de manière, on va dire, éducative. Donc nous voilà dans la salle d'échauffement. Très important, une heure avant chaque prestation, que ce soit combat ou Taolu, il faut être ici impérativement une heure avant pour s'échauffer de manière progressive et intelligente. Installation magnifique, je remercie une fois de plus l'organisation. Toute l'organisation est faite en fait pour le sportif et pour les mettre dans les conditions optimales, alors que ça aurait pu être fait à l'envers uniquement pour le spectacle. D'accord. Bonjour. Alors là, je vais volontairement pas ouvrir la porte parce que c'est ici où ont lieu les contrôles antidopage. Une quinzaine de sportifs vont être contrôlés aujourd'hui. Alors c'est le premier contrôle antidopage vu qu'on a la filière de haut niveau depuis peu. Objectif double, bien sûr, déceler des éventuels cas de dopage, mais c'est avant tout du préventif et de l'éducatif, surtout pour les juniors. On est en train de montrer que derrière, on ne pourra pas faire n'importe quoi dans le Wushu et que c'est bien de prôner les valeurs des arts martiaux, mais il faut déjà les démontrer sur le terrain. Donc on doit rentrer dans un contrôle antidopage avec le sourire sans avoir peur de rien. Voilà. Donc salle de pesée ici, avec une tolérance, on va dire, de zéro. Les gens doivent être au poids 3 semaines à l'avance. On doit perdre 500-600 grammes maximum par semaine. Beaucoup de sports de catégorie sont encore dans l'ancien temps où on perd du poids 10 jours avant, on va transpirer dans les saunas. Ça joue sur le capital énergétique et beaucoup sur les facteurs nerveux. Donc ici, on essaie de tout anticiper. Charbon. Et là, nous sommes donc sur le lieu de compétition, concept international. Vous avez en même temps les pratiques de combat et les pratiques de Taolu, ce qui fait l'unité de l'art martial chinois, l'unité du Wushu. Les tribunaux dessus, encore bravo à l'organisation, c'est professionnel, c'est beau, c'est propre. Et on espère que les compétiteurs auront envie de revenir dans des conditions pareilles. On a des Taolu de base qui sont beaucoup plus pour les utiliser, pratiqués par les cadets, les juniors. Et tout ce qui est senior, c'est la création. Les sauts en eux-mêmes, les nandu, ils sont classés par 3 catégories. Les sauts A, les plus simples, un saut papillon, coup de pied sauté de face, un saut avec une rotation. Il y a les sauts B, 1,5 tour, et il y a les sauts C, 2 tours. Donc la définition d'un Taolu, en fin de compte, c'est un enchaînement de mouvements, une chorégraphie martiale qui doit durer 1 minute 20 minimum. Cet enchaînement, il doit être varié. On doit avoir des sauts, on doit avoir des balayages, on doit avoir des mouvements d'attaque, de défense. Mais le plus important, on doit se battre avec un adversaire invisible. Arts martiaux, il y a l'art. C'est comme un artiste ou un peintre, il doit prendre tout le tableau. Une sculpture, elle doit prendre tout le volume. Et un pratiquant d'arts martiaux, que ce soit en combat ou en technique, il doit prendre tout l'espace, il doit absorber le regard des autres, il doit absorber l'adversaire et jouer avec. Alors en fait, un combat en sanda est gagné en deux rounds gagnants. Pour au niveau des techniques, les techniques de poing valent 1 point. Les techniques de jambes, low kick dans les jambes, valent 1 point également.
Et ensuite, les coups de pied dans le plastron et à la tête valent 2 points. Lorsqu'une personne fait sortir l'autre adversaire de la plateforme, il gagne 2 points. Et lorsque l'on fait chuter son adversaire sans chuter soi-même, on gagne aussi 2 points. Si vous sortez 2 fois de la plateforme, vous perdez le round. Si vous êtes compté 2 fois dans un round, vous le perdez. Et si par contre vous êtes compté 3 fois sur le match, vous perdez le combat. Et voilà globalement l'ensemble des techniques. Aujourd'hui, c'est la finale, donc je te prépare, je viens juste d'arriver, donc je me prépare, j'ai encore le temps. Donc mon adversaire, je ne le connais pas du tout. Pareil, c'est un petit jeune, un petit nouveau. Donc voilà, je m'attends à tout, vu que j'ai été surpris que pas mal hier. Donc aujourd'hui, c'est un bon combat, une finale. Donc je pense que je vais tout donner parce que je suis chez moi et voilà. Quoi. Donc mon combat final, ma stratégie était de travailler sur mes points, de bien me protéger. Bon, à un moment mon adversaire plonge pour me projeter, donc j'ai contré, j'ai sprawlé et je pense qu'avec ça il a dû se tordre la cheville ou je sais pas. Donc en se relevant, il boitait sur une jambe et après son coach, je pense pour l'intégrité de sa santé, a jeté l'éponge. Et j'avais beaucoup à cœur de montrer la discipline en fait pour la région parce que la région ne connaissait pas du tout cette discipline. C'était assez sympa, les compétiteurs ont joué le jeu, il n'y a pas eu de mauvaise ambiance et c'est génial. Le combat sanda, le taolu, le tai chi chuan, le qigong, c'est la base de tous les arts martiaux. Et c'est vrai que comme on voit le jour d'aujourd'hui, ça vient tout de l'art martial chinois, mais comme c'est arrivé au Japon, c'est arrivé à France ou d'autres pays, alors on coupe les morceaux, on dit que moi je pratique point et pied, c'est tout. Et l'autre il me dit, bon, dans ce cas, moi je fais que le bâton court. Après, on va baptiser que point et pied direct, on fait karaté Shotokan, les kickboxing, la borsai, comme on voit aujourd'hui. Les bâtons, on le dit, ah, c'est le tonfa. Après, on va travailler les sables épais, on dit, ah, c'est le samouraï, ça. Après, on va trouver la forme de projection comme sanda, on dit, c'est judo. Après, même on fait le projection soumission, on va dire que, ah, ça, c'est jujutsu, mais non, ça vient de Vinchun. De Vinchun, de soumission. Au départ, il y en a un seul chef cuisinier. Mais après l'autre qui l'a dit, non, moi je préfère ajouter un peu plus de poivre. L'autre qui m'a dit, non, plus de sel. On ne veut plus le même nom, parce que si on nous dit que ça vient de Namarsin chinois, ça veut dire qu'on va dire que, ah, on copie la Chine. On va baptiser chacun ses propres noms, mais quand on regarde bien la base, c'est le même Namarsin. Finale contre Damien Leloum, qui est en équipe de France avec moi. C'est un ami, on se connaît bien, on a déjà combattu ensemble et tout ça. Donc combattre un ami, ouais, moi sur le tatami, je fais la part des choses. Justement, si tu respectes quelqu'un, tu te donnes à fond et lui il se donne à fond. Comme ça, c'est un échange et voilà quoi. Et après, quand c'est fini, c'est fini. Regarde, on discute ensemble, on va manger ensemble, on rigole ensemble, c'est ça, c'est le sport quoi. Donc, oh Damien, ça va. Donc voilà quoi. Normalement, je devrais partir au championnat d'Europe là. Fin mars. Là franchement, moi je suis bien préparé, psychologiquement je suis bien, j'ai confiance en moi et tout, donc je vais tout faire pour ramener la médaille d'or, quoi, c'est sûr. Hein. Voilà, objectif Europe.
J'ai beaucoup appris lors des derniers championnats du monde, ce qui m'a permis une forte progression. J'ai pu axer mon travail notamment sur la réception des sauts et l'appui des sauts. J'ai regardé les autres athlètes faire, du coup ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup axé mon travail sur ça. J'ai bien augmenté, surtout en ando, donc en catégorie C, c'est les sauts. J'ai mieux passé mes réceptions, ma note en A sur la qualité des mouvements est bonne aussi, j'ai augmenté. Donc dans l'ensemble, je suis content de moi, mais je peux mieux faire encore pour les Europes. Alors j'espère aller en Estonie pour les championnats d'Europe. Mon objectif c'est d'au moins être dans les trois premiers, voire deuxième. Sachant que j'ai déjà battu le vice-champion d'Europe lors des mondes, j'espère et je vais tout faire pour réitérer cette place. Alors, donc, je suis Monsieur Frugier Michael, donc je suis médecin préleveur dans le cadre des contrôles antidopage. Vu que c'est une épreuve nationale, on est venu effectivement contrôler certains concurrents dans le cadre de la lutte contre le dopage, tout simplement, quoi. Alors, pour un contrôle antidopage, le sportif donc, doit se présenter une pièce d'identité et par la suite, donc, le sportif vient, se présente à la salle de contrôle et donc on lui dit qu'il est notifié donc, pour un contrôle, qui peut être sanguin ou urinaire encore une fois. Il est censé donc rester de la salle et donc on réalise ensuite le contrôle avec le matériel urinaire ici présent ou sanguin suivant encore une fois ce qu'on va avoir comme ordre de mission. Et donc on doit récupérer une quantité d'urine nécessaire et suffisante pour pouvoir faire deux flacons, un pour l'analyse et un autre pour la contre-expertise au besoin. Si on se réfère à l'urine, pour le sanguin c'est le même principe, il y a deux tubes qu'on va récupérer sur un prélèvement pour pouvoir faire une analyse et une contre-expertise au besoin. Moi j'ai du piment hier, alors je ne sais pas si ça va se voir. Non. Et on doit ensuite poser bien sûr des questions relatives à la prise de médicaments, qui est le plus important, s'ils ont pris des médicaments dans la semaine qui a précédé l'épreuve, en incluant tout, et notamment également la prise de cannabis, puisque les stupéfiants sont retrouvés et recherchés dans le cadre des compétitions officielles. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, et je vous félicite quand même, et puis bon courage pour la suite. Merci. Allez. Donc, je m'appelle Alissa Bédor, je vais sur mes 16 ans, puis je pratique le Kung Fu, ça fait 7 ans, Wushu. Moi je vais pour gagner, pour me faire sélectionner pour le championnat d'Europe, parce que mon objectif c'est être première au championnat d'Europe, puis après par la suite essayer d'être championne du monde, même si ça va être dur, je vais tout faire en tout cas. Donc aujourd'hui je vais passer l'épreuve du sabre, d'Aushu et Kung Fu bâton. Ça va, j'aurais pu faire mieux, mais ça va. Bon, après, faut travailler. Au moins, j'aurais vu tous mes défauts pour les retravailler au club. Donc, ça va. Moi, à partir de ces jours, j'espère que je serai sélectionnée pour le championnat d'Europe. Et après, si je suis sélectionnée, je vais faire tout. Je vais tout faire pour gagner, quoi. Donc, ça fait plusieurs années que je suis les championnats de France de Wushu. Je constate que le niveau et des combattants et de l'organisation s'améliore d'année en année. Les championnats de France de Wushu ne peuvent se tenir avec ce niveau que parce que toute la fédération est derrière, le tai chi, le kung fu et le qigong. Certes, les épreuves concernent essentiellement le kung fu, mais ce qui transparaît à travers ces épreuves, pour le public qui n'y connaît rien, c'est le Wushu dans toutes ses composantes. Et la fédération prend soin de toutes ses composantes à différents moments sur différents événements. Dans toutes les régions, il y a une excellente synergie entre les trois branches de la fédération et c'est cela l'avenir de la fédération et du Wushu. Cette journée dernière du championnat, elle est tout aussi importante que les autres, mais on approche de l'objectif, alors c'est là où il faut tout donner, quoi. Allez, Jean-Luc.
Ce combat, j'ai gagné. Champion de France donc. Je me sens mieux que je n'ai pu l'être au championnat du monde. C'est vrai que j'ai été déçu de ma prestation là-bas. Là, avec mon prof, on s'est entraîné différemment, on a modifié des choses pour essayer de m'améliorer, moi, et faire en sorte que le niveau progresse et que ce qui s'est passé au championnat du monde ne se reproduise pas. Je sais qu'il y a un championnat d'Europe à la fin du mois de mars. C'est pour ça que le championnat de France était tôt cette année. Donc j'imagine qu'il y aura des sélections pour voir qui ira représenter les couleurs de la France là-bas. Mais déjà, grosse évolution quant au niveau des combattants et des pratiquants, des techniciens. Donc les méthodes mises en place au niveau structuration depuis 2 ans commencent à porter leurs fruits. L'organisation de plus en plus, je dirais, professionnelle, respect du concept international, très content de l'organisation confiée à la région du Limousin. Mention spéciale au niveau des jeunes et des combats classe B, ça veut dire qu'il y a un réservoir derrière et qu'on va pouvoir commencer à faire des stratégies à moyen et long terme. Prochain rendez-vous, c'est championnat d'Europe en Estonie le 23 mars à Tallinn. Donc là, junior, senior mélangé, énorme délégation. Les médailles vont se jouer sur notre qualité à avoir su déceler les bonnes personnes avec quand même priorité aux juniors. Parce que derrière Tallinn, septembre, c'est Macao, championnat du monde junior. On doit non seulement jouer la médaille et détecter les potentiels d'évolution entre avril et août pour les juniors. Énorme travail pour l'équipe. La plus belle sera celle des Européens.